Welcome everybody. Welcome to Anglen Tou Patou. Bienvenue dans Anglen Tou Patou. Non pas monsieur Dukené. Jodi a dans vidéo ça, on va montrer comment on ka parler même gens avec natif là. Avec même jou ka parler tant qu'on américain. Très bien. Donc nous voilà à l'aise, nous voilà apprendre pile bagaille dans vidéo ça. Yes. You are going to speak like a native speaker. Ou pral parler tant qu'on natif. Donc parler tant qu'un natif, un peu mon a posé question, est-ce que m'a parler anglais même gens blanc parler là, j'en dis. Est-ce que m'a parler anglais? Un peu mon qui est États-Unis qui écrit non, qui dit est-ce que m'a parler même gens avec blanc. Suis bien. Nous va démarrer la bonne méthode ou qu'a parler même Jacques blanc et appliquer. OK? Pas oublier c'est abonner à la chaîne là qui c'est anglais tout partout et partager. Rejoindre là c'est one like plus one share. Yon like et puis yon partage. Tout le monde, merci en fait. Okay, here, let's get started. I will teach you how to speak like a native speaker. Here, speaking like a native. Speaking like a native. Speaking like a native speaker. C'est parler tant que yon natif. So here, les natifs la parler, gen mot que li pa vraiment dit. Donc c'est ça qu'il faut pas qu'attendre vraiment. Number one, côté que natif là ouais, ça want to, comment l'abdil? Au lieu de dire want to, mais ça qu'il a dit. Mais attention, ça c'est anglais, n'est pas dit casual English. Il est considéré comme anglais informel, mais de manière naturelle, natif là parler c'est comme ça qu'il parle. J'ai qu'un bon enseignant là. One want to vouloir, c'est bien vouloir. Si me dit moi voulais, me dit I want. Si me dit je veux parler, me dit I want to speak ou bien I want to talk. OK? Moi voulais parler anglais, I want to speak English. On dit au lieu me dit want to, natif là lui-même l'a dit wanna. Wanna. À répéter? Wanna. Want to, wanna. Par exemple, moi voulais parler anglais très bien. Moi voulais parler anglais très bien. Phrase la normale. Moi dit, I want to speak English pretty well. I want to speak English pretty well. Mais si on blanc parler, la différent. Parce que, gen sa kap di, I want to speak English pretty well. Mais gen sa kap di, au lieu de dire want to, li retire ça, ok? Li remplace want to par wanna. Si bien. Là, I want to speak, m'a dit I wanna speak. C'est ça, il ne faut pas attendre natif là. I wanna speak. I wanna speak English. Donc, j'aime dire là, ou c'est anglais informel, mais c'est à ce que vous même ou tendez. Pour qu'attendez, ou qu'à dire, mais que vous avez utilisé, vous n'avez pas utilisé. D'accord? Donc, c'est un examen utilisé. Mais si vous n'avez pas parlé anglais, pour qu'à parler même gens avec vous, c'est comme ça pour parler. I want to speak English pretty well. Moi, je voulais parler anglais très bien. Je dis, I want to speak English pretty well. I want to speak English pretty well. Même j'ai un peu là avec des gars de fans qui ont écrit non. Si tu n'as pas qu'à parler, les blancs parlent, pas qu'à attendre. Ça que fait ça, aidez-moi s'il vous plaît. So I can help you with this, right? Try to apply these rules, okay? So here, when we have want to, instead of saying want to, you can say wanna. For example, in this sentence, I want to speak English pretty well. I want to speak English pretty well. You can say I want to speak English pretty well. And number two, we have going to. I say going to. Going to. You can only use this word. We say gonna. Gonna. If I have a sentence like this, I am going to go. Okay? I am going to go. I can't stay anymore. I am going to go. I can't stay anymore. Moi pour aller. OK, moi pour aller. I can't stay anymore. Moi pas ka rete encore. Moi pas capable rete. To stay veut dire rester. Stay. Stay here. Stay here with me. Rete là avec. OK?
I can't stay here anymore. Okay? I'm going to go. Mwen pou gale. Kounyala, here, instead of saying, I'm going to go, you can replace going to by gonna. You can simply say, you can say, I'm gonna go. Don't say, I'm gonna to go. Say, I'm gonna go. Yeah, I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. The word is, wow, mpa kata de no, I'm gonna go. Say, mpa kale. Donc, ou ka retire verb son met lot, m'di, I'm gonna speak, mwen pral pale. I'm gonna eat, mwen pral manje. Okay? I'm gonna visit my friend. Okay? Si moun nan di, I'm going to visit my friend. Donc, c'est formel, normal. Men sou di, I'm gonna visit my friend now. Mwen pral visite, zanmim nan kounia. Donc, anyway, I think you understand this. Okay? Three, numéro 3. Ou di moun nan, ou ka izon l fason, blan lè la pale, li preske pa zil, ou bwè an baka tande, sa la bzi ya. Se a koz sa ou pa bi metrize. 3, 3, I don't know. Le blan bzi, I don't know, mwen pa konen. Na vi nan kou pou n'explike ou, plizè fason ka zi, mwen pa konen. Pa solman pou di, I don't know. Donc, men sa blan, ou li el di, I don't know, li di, I don't know. Wali? I don't know what time is it. Wè, mdi chak mou yo separeman. I don't know what time is it. Bè lè, blan pale lap difisil pou di, I don't know what time is it. Donc, ki sa la fè? Mge don't. Ok, don't know, meni. I don't know. Se kom si... Mwen remplace don't know a pa de now et puis mwen di an pou general pou ka les I don't know mwen di I don't know okay I don't know pou ka les I don't know what time is it I don't know what time is it wow I don't know what time is it I don't know I don't know what time is it donc apre liaison yo la what time ouais pa forcément di what time Parce que j'ai double T, n'a vienne parler sur ça au niveau avancé yo. Donc on a vienne gagner yo, suivre nous, partager vidéo, s'abonner s'il vous plaît. What time is it? Toujours été suivre nous. What time is it? M'gagne sans accès. Time. Li combiné avec it là, m'dit time is. M'ba dit time it. Donc la difficile blanc parler pour dire time or time it. La dit time it. Time it. Time it. Time it. What time it is, Oli? What time it is, Oli? I don't know what time it is. M'pa konen ki lè li. I don't know how to do that. M'pa konen kon pou m'fè sa. I don't know how to speak English. M'pa konen kon pou m'pale anglè. I don't know how to speak English. M'pa konen kon pou m'pale anglè. I don't know how to do it. M'pa konen kon pou m'fè lè. Donc, de pou konen sa pou di I don't know, ou li ou di I don't know, ou di I don't know. I don't know. I don't know what time is it. I don't know anything about English. M'pa konen anyen, okay? I don't know anything about English. M'pa konen anyen nan anglais. Numéro 4. Le blan pale, la di donne-moi. Bien bon moi. La m'genye give me. Don't say give. Bon, anyway, parce que parle n'ap enseigne anglais américain la nan sens ça. Donc américain la di give. Mais natif anglais li ka di give me OK nous souvent di moun OK nous même nous plus à l'aise pour ka habile même j'ai un peu étudiant qui nan l'école nous directement et yo là aux États-Unis yo écrit nous dit wow même prononciation donc c'est apprécié yo apprécié ça donc continuer travail ça fait nous plaisir pour message que nous voyez pour nous for give me, donne-moi quelque chose, m'di, give me something. Could you give me something? Laisse-moi m'utiliser le normal, m'di, give me. Mais natif le la parle, la b'diou, give me. Exemple ça là, par exemple, m'gagne, could, m'tou rappelé nous ça? So the letter L is not pronounced in this word. Donc mot et lettre L li pa prononcé nan mot ça.
Okay? Could you give me a call, please? Could you give me a call? Or could you give me a call? Could you give me a call, teacher? Could you give me a call at 7? Est-ce que vous brûlez ma 7 heures? Donc, c'est facile. Could you? Donc, je vais expliquer pour qui ça me dit could you. Je vais dire could you. Je dis could you. Could you give me? Could you give me? Parce que là, je give me. Au lieu de dire give me, could you give me a call, please? Est-ce que vous avez un appel? Ou bien est-ce que vous avez un au lieu de dire give me, je dis give me. Could you give me a call? Est-ce que vous avez un même j'en tout, mon occasion, could you give me a ring? Could you give me a ring? Au lieu de dire call, on a souvent utilisé expression ça. Could you give me a ring? Ring. Give me a ring as soon as you can. Donc, bon, mon appel, donc, c'est expression, l'on dit give me, give someone a ring, means that to telephone someone, to get in contact with the person, or to get in touch with someone. Now, I say give me. Right, the last one, number 5, numéro 5, l'accès dernier, parlez de courant américain. C'est pas un big deal qu'il y ait, et nous souvent dit, wow, parlez de courant blanc, c'est difficile. Moi-même, comme natif, là, je dis natif et haïtien, ça veut dire que je parle créole là bien. Donc, je choisis et maîtriser l'anglais américain. Ok? I try to master the American accent. Donc, vous pouvez maîtriser l'accent américain. Très bien. Donc, continuez à suivre nous après ça. Let me. Au lieu américain, vous dites let me. You do let me. Let me. Ou quand elle dit une ressemblance avec gimme ou gimme, gimme, give me, let me, m'dio, let me, let me. Qui te m'aide ou? M'di, let me, mais une phrase la normale, let me help you with that. Let me help you with that. Help you, ok? Let me help you with that. Help you. Help you. Let me. Pour nous, là, je retire let me, hein? Mais en place, elle parle let me. Let me go. Quitte ma lèvre. Let me go. I can't stay anymore. Let me go. Blanc, quoi, ça l'a parlé avant. Elle dit, qui ça, blague, dis-moi là? Let me go. OK? Let me do it for you. Let me do it for you. Quitte me faire pour vous. I can help you, right? OK. Let me. Let me help you with that. Let me help you with that, sir. Ok, donc je dis, hein, m'enseigner comment on peut parler tant qu'un américain, comment on peut parler tant qu'un américain, moi je dis, speaking like a native, or speaking like an American. How you can speak like an American? Comment on peut parler tant qu'un américain? Nous t'ai enseigné 5 expressions que vous devez connaître. Les natifs n'ont pas utilisé ça, ou utilisé ça au lieu. Ils disent tout, ok? Il est là parler pour qu'on parle de manière smooth. Here, one, two, c'est one. Yeah, I want to go. I want to go. Where do you want to go? Where do you want to go? Oh. Where do you want to go? I'm going to faire some parler là. Donc, jusqu'à maintenant ça c'est cool que m'a venir à cause ça. Vous ca à l'aise, vous comprendre toute bagaille. Going to c'est gonna. Gonna. Donc, pour exemple, I'm going to go. You say, I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna see. Okay? I'm gonna see. I can't stay anymore. I can't stay anymore. I'm sorry, man. I can't stay anymore. I'm sorry, doctor. I can't stay anymore. Sorry, teacher. I can't stay anymore. I don't know. Say, do you know? I don't know. I don't know what time is it. I don't know what time is it. Or I don't know what time it is. It's better. I don't know what time it is. Somebody, what time is it? What time it is? Give me. Give me. Could you give me a call? Could you give me a call? Now let me help you with this. Let me help you with that. Thank you guys, because today we teach you how you can speak like a native speaker. Not only this part, we will come with additional videos where I will teach you some tips that will help you guys to sound native-like. It was your teacher, Dukene. The pleasure is always mine to bring new video for you. Don't forget, the main thing that you need to do is
to share this video and like it. As soon as you do that, you help us to go higher, to bring new videos for you guys. Thank you. Don't forget to subscribe to our channel, which is called Anglais Tupatu. It was your teacher, Duke Kene, and see you next.